Bonjour YouTube, re YouTube, nous sommes de retour sur le plateau de Mario et Luigi, mais j'appuie sur A, il faut que j'appuie sur B. L'épopée fraternelle, le jeu qui n'a aucune direction artistique et qui vaut 5 sur 10 bien sûr. On s'en souvient. On baise IGN, on baise tous les cons qui ne savent pas ce que c'est qu'une direction artistique. Le jeu est très bien, je passe un excellent moment. Baisse tous les racistes en brochette. On est de retour sur l'île... Je sais pas, le navisme. Pour l'instant, je crois qu'on est que sur le navisme, on n'est pas sur une île. Ça va arriver, l'île. Vous faisiez quoi, la dernière fois? Est-ce qu'il me reste des quêtes? Non, c'est bon. On a fait un petit mariage, c'était cool. On s'est battu contre un boss de zinzin. Et maintenant, je crois qu'on a un phare à faire. Je crois qu'il y a que des dingues, là. Que du dingues. Que du dingues arise. Bonjour, tu vas bien? Rien à foutre. Alors... On est comment au niveau équipement? Je crois que j'ai... Je crois que j'ai des petites bottes un peu trop puissantes que je vais pas mettre tout de suite. Mais sinon ça va quoi. On est bien. Je sais pas où je vais. Oh mais merde, on est là! Oh non! Oh non! Oh l'erreur! Oh l'erreur de bâtard! Oh vite, le turbo plus vite, le turbo plus vite, les Toads! Allez les Toads! Par pitié, non! Oh non, bon bah... Non, mais on va faire des trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis si je vais dans un menu... Si je vais dans un menu en plus, genre ça... Non, putain, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ainsi qu'on a eu 2 heures de live sur un courant, putain. J'ai oublié qu'il y avait ça. Qu'est-ce que je peux faire? Que pouvons-nous faire? J'ai fait toutes les quêtes, OMG, non, vas-y. Que pouvons-nous faire? Alors je sais ce qu'on peut faire. Non, je sais pas en fait. Je sens blanc. Regardez l'eau, elle est en train de péter un câble. Tellement on va vite. Allez les Toads, plus vite les Toads. Allez les Toads. Putain, regardez toutes ces magnifiques statues qu'on a collectées, c'est énorme, non? Ouais, non, bah c'est pas... Ouais, 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 ok. Là, c'est un... Voici pourquoi le jeu n'aura pas 10 sur 10. Parce que la navigation... Il est vrai. Il est vrai. Oh putain, y a... Ça, c'est... Les Toads sont au dernier étage, ouais, ok. Est-ce qu'on peut les pousser dans l'eau, les Toads? Là, tu trouves pas... C'est pas trop mal de mer, les gars? Ça va quand même vachement vite. En vrai, il carbure, le Toad, hein. Il sait qu'on est loin. Il sait qu'on est loin, il carbure, là. Il est en mode... C'est l'homme. Il trouve un pépé navet sur le bateau. Ah oui, c'est vrai. Non, le pépé navet. Vite, le pépé chicken. Oh, vite, le pépé navet. Avec un peu de chance. Oui, 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 oui. Ah, je crois que c'est un pépé navet, hein. C'est vrai qu'on avait pas fait celui-là. Continue, champion, continue, n'arrête jamais le football. N'arrête jamais le vélo, n'arrête jamais la rame. Ok, c'est là. Le pépé navet. Il est là. Forcément lui. Oh, il a quoi? Il est doré. What the fuck, merci à Kenzo. Lui, il a un pépé navet, mais attention, pas n'importe lequel. Un pépé navet doré. Il fallait du talent pour le trouver. Clairement, la moustache cache bien les choses. Si je puis me permettre, c'est un endroit idéal pour être enterré. Mais personne ne passe par ici alors même qu'il y a plein de touristes. Cette visite me fait plaisir. Quelle joie, vous êtes content de ce début YouTube ou pas? Bon, je digresse. Revenons à nos champignons. Nous sommes 18 pépé navets dans ce monde, moi inclus. Combien de pépé navets avez-vous croisé? Je vois, 6 d'entre nous. Après 3 pépé navets rencontrés, il y a une récompense à la clé. Quoi? Ah mais... Vous avez déjà rencontré 3 pépé navets? Très bien, je savais que vous étiez bien plus que les grands moustachus. Tenez. Tenez un vieux bon mec. Rencontrer 5 pépé navets, je vous donnerai mieux. Quoi? Mais non! Vous avez déjà 5 navets? Tenez. Ah, y a un intérêt à les trouver du coup. Rencontrer 9 pépé navets. Vous voulez savoir où trouver les pépé navets? En vrai, oui. À Pescampia. Ok, il y en a un à Pescampia. Putain, ça va faire partir du 100% ça. Ça va faire partir du 100%. Putain, j'aurais pu faire ça aussi du coup, j'aurais pu aller chercher les pépé navets. Bon, la prochaine fois qu'on s'emmerde, rappelez-le moi, la prochaine fois qu'on s'emmerde. La prochaine fois que... STOP! On s'emmerde!
Rappelez-moi d'aller chercher les pépés navets, je vous en supplie. Parce que bon, c'est clairement pas quelque chose qu'on va faire de le plein gré. Oh, qu'est-ce qu'on a trouvé? Non. On l'a pas trouvé, ça. Stop! On s'emmerde! Oui, bah ta gueule, on a compris. Est-ce qu'on peut continuer d'aller vite, s'il vous plaît? C'est bon, on est arrivé à destination? C'est bon. Le pépé poisson va devoir être réalisé. Ouais, bien sûr, il va falloir, hein. Ok, moi, je veux parcourir toute la mer. Je veux parcourir le chemin. Et je dois aller où, là? Est-ce que je suis pas du tout au bon endroit? Bon, on va commencer par là, parce que là, c'est long. C'est long, soleil. Il monte ce récif. Bah, vraiment horrible, ouais. Oh, mais plus jamais avoir à revoir ça de ma vie. Putain, j'ai hâte de faire le pépé pour cent. Voilà noté sur mon bloc-notes spécial prédit. Quel prédit? Combien de temps va-t-on passer à attendre d'arriver au bon endroit? Attention, un récif! Oh! Oh la ref! Oh la ref! Encore une fois, on est dans les rêves de Mario Luigi. Encore une preuve, s'il en fallait une, qu'on est dans le monde des rêves de Mario Luigi. Ok. On peut continuer le turbo, s'il te plaît? Incroyable. Qu'est-ce qu'il fout là, le gars? C'est vrai qu'il va falloir que Nintendo nous explique le lore de cet endroit, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ah, île inexplorée. Ah. Ça ressemble à un phare, mais je suis pas sûr. L'île du grand phare. Ça ressemble à un phare, les gars. Il ressemble à un 8. Allez, c'est parti! Bon, rappel pour vous qui êtes chez vous. Actuellement, une prédit pour miser énormément d'argent. Combien de dégâts va se prendre les frères? Vont se prendre les frères, mais voilà. Moins de 100 dégâts. Un cul. Un cul, je pense que vous allez dire. Entre 101 et 299. Entre 300 et 499 ou plus de 500 dégâts. Est-ce que je vais me prendre plus de 500 dégâts ce soir? Plus de 500 dégâts sur cette VOD. On le saura. Nul doute que Daikenzo va bien tenir compte des dégâts. Il ne va jamais tourner la tête au mauvais moment. Au cas où. C'est un atterrissage contrôlé. Il y a un problème? Oh, j'ai des frissons. Je me demande si le flamme est fabriqué ici aussi. Bah oui. Oui, les atterrissages de Luigi le mieux en mieux, hein, bien sûr. Tu as raison, il faut arrêter Volface. On doit vérifier ce qui se passe à l'intérieur du grand phare. Je pense que oui. Je pense que malheureusement on est obligé. Hein. Hop là! La thune. 15 000 balles, hein, quand même. Plus de 15 000 euros. Qu'est-ce que... Ah, ok. J'ai pépé navet. Ah, pourquoi on la suit, elle? Pourquoi elle nous suit? Qu'est-ce qu'elle veut? Pour une fois qu'un NPC ne va pas juste se téléporter d'un endroit à un autre. Bonjour! Bonjour! Alors, qu'est-ce que t'as? Botte Blissful, bien sûr, on connaît tout ça. Y'a pas de nouveauté. Pas de nouveauté, mon pote. Ok, je vais faire un truc. Je vais... Ah, mais je peux pas acheter de cacahuète miracle. Je n'ai pas de miracle. Mince. Je voulais acheter des trucs miracles, moi. C'est bon, je suis pas le gros miracle. Pas le gros miracle ici. Ok. Allez, on sauvegarde, c'est la fin de cette VOD, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez adoré. Naviguer sur les océans. C'est faux, bien sûr. Ah, pour une fois, le grand phare est ouvert. Merci, hein. Merci de l'avoir ouvert. Alors. Je trouve qu'on est arrivé jusqu'ici bien trop facilement. Ce serait bien si on pouvait monter tout en haut sans encombre, mais... Des intrus! Oh, encore vous. On va changer au moins de couleur, les gars. N'essayez pas de vous engendrer. Si vous vous inquiétez pendant suite... Oh. Mettez la douce aux ordines. On vous emmène aux usoles. Suivez nous argent et en silence. Mais enfin, Mario Luigi, ils sont 12. Deux attaques frères et c'est fini, hein, Mario Luigi, les gars. Bon. Changez au moins de couleur. Bah quoi? Laisse-moi être raciste.
Allez-y, la demi-portion, on va en faire doser. À quoi? On va travailler? Pour réparer la tuyauterie de l'enceinte de réfrigération. On avance, voyons vitesse. Ah, ça c'est l'indémodable. Dans tous les Mario et Luigi, il y a ça. Dans tous les Mario et Luigi, il y a une petite phase où Mario et Luigi doivent réparer la tuyauterie. Faites qu'ils aillent bien. Toi, allez-y. Mais pourquoi on a accepté, genre? T'es au courant qu'on peut se battre? J'ai donné conseil, les gonfous. Sinon, c'est quoi votre moyen de pression par hasard? Il n'y en a aucun, les gars. On va pas s'éterniser, André. Oh, pourquoi on se laisse faire? Vraiment, 10 secondes, vous ne pouvez pas vous échapper. Laissez tomber cette idée, bon, c'est. Il n'y aura aucune tentative d'évasion. Yeah, c'est zéro. Oh, bizarre, ils sont sortis nulle part. Hein. J'espère qu'Emperia va bien. Et pourquoi on l'a laissé en fait? Pourquoi? Stop! On est dans la merde. C'est clair. J'ai raison, allons chercher vite. Pourquoi on s'est laissé faire? On est con ou quoi? Des fois on les comprend pas hein. Hé petit nouveau! J'ai fini de l'embiner, venez vérifier la tuyauterie de cette machine. Elle a l'air de faire circuler beaucoup de fléaux. Fléaux, enfin peu importe comment ça s'appelle. Vous avez intérêt à vous mettre au boulot et où les chefs vont piquer une colère. Hein, vous voulez vous faire de la malle? Non, vas-y. Tout le monde dit ça au début, mais personne n'a réussi. Il y a des gardes partout. Et même si vous arrivez à sortir, qu'est-ce que vous ferez si vous attrape? Vous serez en beau drap. Alors rentrez-vous, salon, si vous voulez, venez vérifier la tuyauterie. Allez, on va bosser. C'est cool, je viens de sortir d'une journée de taf horrible et je dois rebosser dans le jeu, bah génial. Génial, hein, le moyen de s'échapper, qui disait. Hein, moyen de s'échapper à la réalité, les jeux vidéo, c'est ça, ouais. Vous allez voir, moi je vais redevenir violent à cause des jeux vidéo. J'espère au moins qu'il y aura un nouvel ennemi, pas que des ennemis qu'on connaît, pitié. Ah, j'ai compris, si tu te caches dans ce tonneau, je pourrais peut-être te faufiler. Essayons d'abord d'aller là-bas sans que les gars nous remarquent. Ou sinon, idée, on les bat. Autre idée, hein. On va essayer d'avoir mis des pièces. Sans quoi je n'aurais jamais vu ce passage, bien sûr. Ah mais c'est encore les gardes relous, là. Qui envoient des drones. Qui envoient des drones aller sur des abeilles. Personne n'aura cette ref. Et en plus, j'ai mal fait la ref. Salut les gars. Ouais, non. Mauvaise idée. Comment je fais pour y aller? Vous frappez les gars ou pas? Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est où pour travailler? On me demande de travailler, mais je dois aller où? Je dois travailler où, les gars? Y'a pas d'endroit pour travailler. Y'a pas d'endroit pour travailler. Y'a littéralement pas de travail. Ils m'ont demandé de travailler, mais en fait, ils ont rien pour moi. Là, c'est énorme. Au bout de la rue, il faut que je traverse. Ok. Traverser la rue. Bon, il est où mon travail? Mais c'est pas à quoi dire ce tonneau? Ah rien, personne m'en a jamais parlé. On a de la chance que ce soit là, alors putain, quand même. C'est énorme. Donc là, c'est une vraie phase d'infiltration où je dois pas me faire repérer. Laisse-moi tranquille. Pourquoi est-ce qu'on doit le regarder à chaque fois? On s'en fout. Ok. Là, c'est une vraie phase d'infiltration, je vais me mettre en boule. Ce sera plus... Là, c'est pas là. Ma gueule, lui. On sera moins repérable en boule. Attends, mais comment? Comment faire? Les nulos. J'attends et je pourrais aller là-bas. Mais putain! Y'a de la profondeur de champ! Ouais, mais on est où? Y'a de la profondeur de champ en fait! J'étais pas sur le même plan qu'eux là! Je m'étais pas rendu compte! Oh le connard! Attends, mais on doit aller où là? Je vais par où là? Je comprends pas. Allô?
Allô Mario, Luigi ? D'accord, c'est bien d'aller là, mais ça nous sert à quoi ? Ça nous sert à quoi, à part fort ? Y'a aucun autre... Ça me mène à rien ? Ah si, je crois que j'ai l'idée. Je crois que je sais à quoi ça va me servir dans un instant. Bah non. Je sais pas si c'était ce qui était censé être fait, mais je l'ai fait. Je sais pas si c'est ce que j'étais censé faire, mais je l'ai fait. Hein. Je sais pas comment on l'a fait, mais on l'a fait. Non, vous m'avez pas vu, vous m'avez pas vu. Ok. Et ça sert à quoi ça? Ah bah top. Ah. Ok bah bravo Luigi hein. Conseil pour les rondes. Lorsque vous faites vos rondes, faites attention aux bruits inhabituels. Si vous apercevez un truc, allez vérifier. Si vous avez des ennuis, criez. Ah. C'est pour aller où là? Pourquoi il est là Luigi? Mais qu'est-ce qu'il fout Luigi? Pourquoi il s'est mis là? Ah putain, j'ai oublié, oui. Ben oui, parce que voilà. Voilà pourquoi. J'avais oublié cette histoire. Quoi? Est-ce que Stono a bougé? Stono, y'a quelqu'un dedans, attrapez-le! Quoi? Putain, maintenant ils ont un cerveau! Avant ils étaient bêtes, maintenant ils sont pas bêtes! Me dis pas que je dois recommencer au tout début. Ah bah c'est gentil de nous avoir remis dans le tonneau. Merci les gars. C'est super cool d'avoir fait ça. D'accord, donc faut faire gaffe parce qu'en plus, ils peuvent se rendre compte que c'est un tonneau qui bouge. Bah attends, comment je fais là? Ah! Quoi, il m'a vu là? Il m'a vu là? Non. Ok, attends. Je pensais que j'étais derrière un mur, mais ok. On va comprendre. On va y arriver. Alors la question maintenant, c'est comment là? Comment je fais? Parce que là, visiblement, Luigi ne peut plus bouger. Comment je fais pour attirer son attention? Comment je... Mais non, mais il me voit! Je comprends pas. I don't understand. Je vais trouver, hein, je vais trouver. Je vais trouver. Toujours que si la solution c'est que je me mette derrière Luigi comme ça. Complètement con. C'est complètement con que ça ait marché. Ça n'a vraiment aucun sens que ça ait marché. C'est vraiment complètement con que ça ait marché. Attends, vas-y mec. Oh, Luigi, qu'est-ce que tu... Oh putain. Oh putain, Laurent. Attends, mais comment je fais là? Le miracle. Oh le miracle. C'est pas normal que ça ait marché, mais merci. Je vais attendre qu'il soit loin. Ok. Ça a du sens, oui. Enfin, ça a du sens, oui et non, quand même. Je veux dire, il fait pas non plus sombre au point de rien voir. Mais bon. C'est dommage d'avoir engagé des gens dont la cécité est vraiment à 90%. Mais voilà. Enfin, c'est bien, hein. Ils engagent du personnel en situation de handicap et c'est tout à leur honneur. Mais là, c'est compliqué, là, quand même. J'allais dire, oui, il m'a vu, là. J'allais dire, bon, faut arrêter les conneries.
Oh tiens. Oh, pas malin. Il va vite lui. Il va où l'outil là? Ok. Ça va, c'est pas la plus grande phase d'infiltration de ma vie. Qu'est-ce qu'il fout le Luigi? Le L? Bah c'est super simple. C'est super simple de s'enfuir d'ici quand même, non? J'arrive pas à croire que la garde ait pu déjouer le stratagème pourtant infaillible du tonneau. Le maître espion. Serpent solide avait pourtant utilisé cette méthode tant elle était parfaite. Eh oui. Inspiré des meilleurs, bien sûr. En tout cas, on a grave réparé la tuyauterie, c'est top. Donc eux, c'est pas les gardes, par contre, ça va. Là, c'est vraiment gênant. Jusqu'à peu, le magma fluait sous terre. Du coup, je pouvais emprunter le chemin. Qui a décidé de le bloquer? Qui a tiré sur mon petit frère? Ok, bah déjà, je trouve un truc, là. Oh non, pas lui. Volteface est là. Il a jamais l'air très sain d'esprit, mais là, c'est encore pire que d'habitude. Il paraît l'air un œuf. Un œuf bizarre, certes, mais un œuf quand même. Plus que 67, on y est presque. Hé hé. Encore un peu de patience, juste un peu. Je tremblais de colère, mais j'ai continué à consigner des faits pour le héros qui viendra. Patriarche, démon historique. C'est le papa d'Archibald. Ça va, vous bossez, vous? Eh oh. Alors, là, les nulos. Au travail, un peu. Je peux prendre l'ascenseur pour aller au phare? Ah oui. Ah non. Bon, ça va. On a trouvé ça bizarre de pouvoir le faire. L'ascenseur est coincé. C'est pas là qu'ils ont mis en période, non? Bon, on y va, alors on y va. Je me suis fait surprendre. Ok, on a une sorte de ricolore. On l'avait déjà vu une fois, lui. On n'a pas eu trop l'occasion d'apprendre à le connaître. Je vais peut-être pouvoir changer de prise de combat. J'ai besoin de ça. Bon, ça, on peut le... Hein, à 1 sur 10, on peut le... On peut le fatiguer. Et attaque incendiaire, tiens. Poing, Volda, fonce-vous. Et bim! À 150! Est-ce que je le remets quand même? Ah ouais! Et bam! Oh yo 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 yo! Oh les dégâts que je mets! Hein? J'ai pas tout compris là. Je suis censé faire quoi? Hein? Excusez-moi hein! Attends. Tu vas me la refaire. On va la refaire. Prise 2. Prise 2. Là, ça compte pas du coup. Ah, mais en fait, on pouvait sauter aussi haut que ça, je m'en rendais pas compte. Je me rendais pas compte que je pouvais sauter aussi haut en fait, ça me semblait irréaliste. Du coup j'ai pas osé sauter. Ok. Et bah c'est bon hein. J'ai compris la leçon. Hein. J'ai compris mec. Merci. Ah ça recharge les prises. Allez on l'embrasse. Moi j'ai compris. J'ai compris maintenant j'ai. Une fois que j'ai découvert un combo de Pyrrhus très puissant par hasard, tout simplement parce que j'ai voulu tester une combinaison qui rendait mes attaques visuellement stylées. Ah, oh, c'est pas mal, hein. Tu vas te calmer, mon pote. Hop, allez. Bon, ils sont sympas, mais un peu dangereux. Trapibon dans leur gueule. Bon, pas besoin. Alors qu'une carapace rouge. Carapace rouge dans sa gueule. Allez.
Et bim ! Assez efficace. Encore. On y va. On leur met tout. J'ai décidé d'utiliser les attaques frères. Parce qu'on en a besoin dans la vie. Oh, polet, c'est parti. Et on l'embrasse. Oh là 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 là, les dégâts de zinzin. Oh là là. Merci pour l'argent. Oh, merci, 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 merci. Merci, merci. Ok, ok. Si les Volda Phosphos sont présents avec d'autres types de Volda, ils feront des attaques combo. Ah ouais? Dommage. Je les laisserai faire la prochaine fois. Bon. Hey, vous avez vu une fille avec un chapeau? Je suis pressé, on m'a dit de ne pas discuter. Allez, on va pas te balancer, promis. Je cherchais une fille, ils l'ont emmenée par là-bas. Des prisonniers se sont échappés, où sont-ils putain les? Retrouvez-les, retrouvez-les. Je reste pas là, moi. Alors, ne dites pas qu'il va y avoir des Volda qui vont arriver de nulle part. Qui vont débouler là, ce serait énorme. Et si? Bonjour. Merci pour le bonbon simple. Zirvantvas nous a donné beaucoup de travail. Moi qui croyais que les améliorations du fléau étaient enfin terminées. Et toi aussi, tu vois un truc juste bien? Bien sûr! Ça suffit! Ça suffit! Personne n'aura cette ref, mais moi je l'ai. C'est tout ce qu'il faut. Ça suffit! C'est pour vous. Mais c'est vous! Comment êtes-vous sorti dans la zone de réfrigération? On vous indique de ne pas vous échapper! Stoppez les éventails! Ça donne au Volda toujours un panel d'attaques différentes selon les ennemis présents. Ah bah il faut que je les laisse alors. Point, 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 point. Mais en même temps j'ai envie de terminer les combats quoi, mais j'ai envie d'être stylé. Bon vas-y j'enlève toutes les prises. J'enlève toutes les prises en attendant comme ça ça fait recharger. Juste mettre le pactole, on gagne la thune. En vrai je vais, tiens, et auto-champi et auto-siro comme ça ils seront rechargés pour les prochaines fois. Allez. De l'argent. Papam, 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 papam. Mario, bim. Alors qu'est-ce que vous faites les petits potes? Ah bah super l'attaque entre potes en tout cas. Super cette attaque en combo. Bah dingue hein. Dingue ce combo non? Combo de fou, hein, je trouve. Ah, 24 dans la gueule. Je leur laisse encore le bénéfice du loot. Bénéfice de pute. Merde, 35. Ah putain, j'avais oublié qu'il faut pas sauter dessus dans celui-là. Ah, pour moi, il était au-dessus de moi. Salut mon pote. On est bien, hein. Mario. Comment ça, Mario? Ah d'accord, il y a aucune latence. Avant, il y a eu une latence quand on faisait ça. Maintenant, il y a aucune latence. Pas énorme. Ah, maintenant quand on saute c'est instantané. Avant on devait porter le poids de Mario et tout. Auto-champi, auto-siro, ça t'intéresse pas mec? T'as pas envie de te mettre un champi là par exemple dans le cul? Putain, vous savez ce que je vais faire? Prendre un risque. Je vais prendre ce qu'on appelle un risque.
Je vais En tout cas, énorme les deux attaques combo. Merci pour cette info de chat de fou. Pom 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 pom. Oh, Pelé. Oui. Bonne étoile, hein. Merci pour la bonne étoile. Porte que les chances du X. Ouh, c'est bien ça. Sachant que je vais le mettre. Hop. Quand tu veux pour régénérer Mario. Voilà, bien joué mon pote. Mario salope m'a envoyé. Bonjour. Voilà, comme ça, ça dégage. Et on va faire une carapace verte juste pour qu'ils se mettent un auto-sirop prochain combat, comme ça les prises seront rechargées bien comme il faut. Hop, allez. Et bim. C'est lequel elle, hein. Bienvenue à toi. Ah, tout compris à ton message, mais bienvenue à toi. J'ai voté 300-499 en vrai. Je suis déjà, je pensais pas que ça montrait aussi vite. Bah, je vous avoue, moi non plus, j'ai oublié qu'on prenait autant de dégâts maintenant. J'ai oublié. Vous êtes basé fort, évidemment. Touchant Mario Luigi. Elle s'est échappée, elle aussi. Imperia, je suis content de te retrouver. Ouais, moi aussi. J'ai pas lu. Visez-moi tranquille. Je veux voir personne. On sent que je vois la grappe. Le fléau m'a affecté tant de gens. J'ai failli y passer aussi. On doit faire quelque chose. Vous voulez savoir si j'ai appris quelque chose? Maintenant vous le dites. J'ai entendu dire que quelque chose dans cette pièce sert à faire marcher l'ascenseur. J'ai peut-être vu un truc, ouais. Peut-être ce bloc qui est en plein milieu de la salle, pas sûr. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette merde. T'as entendu ce bruit lointain? Peut-être que l'ascenseur marche, je vais aller voir. Mais sinon, on n'y va pas toute seule, non? Idée. Idée, hein. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Personne n'a l'air très enjoué par cette lumière rossade. C'est difficile de motiver les gens pour quoi que ce soit, peut-être avec des leçons de danse. Ah, c'est pas celui que je pensais. Je pensais que c'était le mec qui veut se battre contre. Qui veut tout le temps faire des combats, là. Ok, bah, énorme salle, hein. Énorme salle. Je vais peut-être. Au moins, soit il me pève. Voilà, voilà. Et alors, on a eu quoi? On a eu un porte-clé chance DX. Il est où? Augmente de 2 la probabilité d'obtenir un chance. Comment ça? De 2. Juste 2. Ça augmente de 2, les gars. Je suis en train d'augmenter de 2, là. C'est pas clair, mais ok, ouais, merci. Je me dis ça double, je sais pas. On a pas compris, mais on a adoré en tout cas. Pas tout compris, mais j'ai tout aimé. Énorme cet aller-retour ultra cool. Bonjour. Il ne peut pas aller au dernier étage, mais on dirait qu'il peut descendre. Et ben on descend alors. RDC, pour le sous-sol, bien sûr. J'ai essayé, c'est pété comme accessoire, surtout en fin de jeu. Bah surtout avec autant de moustaches, parce que je vous rappelle que j'ai une moustache de malade mental. Mario, regarde! J'ai jamais vu, il y a 3 prises. C'est le même type de prise que celle qu'on a vue dans la mer barbouillée. On va en avoir besoin pour pouvoir avancer. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de thème qui se dessine autour du jeu, mais j'ai du mal à savoir lequel. Oula, c'est quoi ce monstre là? Attendez, c'est quoi ce monstre là qui nous tease? Une espèce de gros blob de glace et de feu. Oh, ça va être une version vénère là des mecs de glace ou de feu qui va changer à volonté entre l'un et l'autre. Oh, j'ai un peu hâte. Un petit peu hypé là. Ok, comment je monte? Peut-être par là. Ok, il fait chaud. Là-bas, j'ai chaud. Oui, c'est parti. Ok, tout ça pour un simple champion one-up, hein, vraiment. Qu'est-ce que tu veux, toi?
Ah, bravo. Bravo, je voulais te sauter dessus, mais t'inquiète. Oui. Jibrus Megaman. Jibrus Megaman, plutôt, mais oui. J'y étais presque. Bon, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres prises que je peux reset? Ouais, allez, celle-là. On va la faire reset, elle a ta fluorifiante aussi, voilà, comme ça on sera fait. Bim, bouffon. Ça suffit maintenant. Je me ferai plus avoir. Pourquoi l'auto-siro il a pas encore fait? Bon bah allez. Comme ça il fera son auto-siro, il fera pas chier. Hop hop hop. Hop hop hop. Et on s'est parti. Oh les dégâts de bâtard ça fait. Potom, 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 des joueurs de dégâts. Pas compris, mais ok. Il pourrait expliquer ce que c'est, genre en mode... félicitations, voici pourquoi vous gagnez cela, mais non. En mode bravo pour ce défi, c'est tout. Défi, réussi, le... Défi, grosso modo. Des joueurs de dégâts, remporter 100 combats sans subir aucun dégât. Ah ouais. Ok, je suis juste trop fort en fait. Pas forcément. Pro du casque, pro de la rapibombe. Il faut que je le fasse plus souvent. Ah ouais, j'en ai encore beaucoup à faire là. Oh, le casque Boeing, il faut que je le fasse parce que les Rico frères, je suis chaud. Anti-monstre. Anti-Volda. Anti-sbire. Anti-tout, c'est des badges de gros racistes, grosso modo. Roi des pièces, bien sûr, j'y suis presque. Alors, ces 300 ennemis sont équipés d'habits, de gongs, d'accessoires. En fait, c'est un truc qui a commencé au début du jeu, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est trop chiant. J'ai 1000 points de dégâts en une seule attaque. Ça arrive, ça arrive. En vrai, je pense que si je vais dans les premières zones, il y a moyen que j'y arrive presque. Hein. Bravo pour mon initiative. Je crois que là, t'as trop XP, non? Bah oui. Et malheureusement, j'ai pas envie de... j'ai pas envie d'abandonner les combats, quoi. Je les aime bien. J'ai envie de faire mes combats, moi. Pam pam, pam pam, pam pam. Et j'ai pas tant XP que ça, en plus. C'est ça, le pire. J'ai pas cherché à XP, quoi. Et boum! Oui, oui. Et boum! Oh, le nombre de coups chanceux que je fais, maintenant. Oh, attends, ça. Bam! Merde! Merde! 37, dans la gueule. Allez, hein. Oh yeah! Je vais pas vous mentir, la team plus de 500, je pense que vous avez gagné. Je pense que vous avez déjà gagné. J'aurais beau faire tous les efforts que je peux. Il y a un boss qui arrive, quoi. Je vais forcément faire baiser par ses débuts de pattern. En fait, j'aurais peut-être pas faire tous les combats. Pouiou! Hein? Oh! Bah super! Putain, on l'a eu l'attaque combo! Ah, elle était stylée, mais dommage, du coup j'ai pas compris sur le coup. Désolé, papa maman les gars. Avec Yasmoine dans ta gueule, toi. Ça y est. Ah, désolé pour tous ceux qui ont croisé en moi, hein, mais vous étiez pas très nombreux, honnêtement. C'est pas super nombreux. Et vous avez bien raison. Allez, je rate. Exprès. Ça ira plus vite. Ok. Je suis niveau combien, moi? Niveau 26. Je suis même pas si... Non, en vrai, les monstres sont niveau 26, hein, les gars. Non, c'est juste trop fort, en fait. faut y croire. Putain, merde, on peut pas passer si seulement il y avait un bloc, quoi, sur lequel, genre, on sautait, par exemple. Tiens.
Bah ouf, juste ouf. Je peux pas passer, hein. L'un de vous doit ouvrir la porte pendant que l'autre passe. Il vous faudra utiliser vos capacités pour créer un chemin emprunté. C'est de la coopération, une énergie encore plus puissante que le fléum. Jamais vu. Jamais connu. What the hell? Oh tiens. Ah ok. Ok, let's go. Luigi va te faire foutre, je t'en supplie. Merci beaucoup. Alors, il va falloir que je crée... Ouais, il va falloir que je crée un chemin pour Mario. En haut là. Ok, là est-ce que Mario peut sauter? Bon, c'est un peu chaud pour Mario là. Shit. Parce que là il faut que pendant que Luigi est sur sa merde. Oh vas-y, il a pas sauté. Ah, je peux peut-être en emporter un deuxième moi. Ah, je pense qu'on l'emporte un deuxième. Oh, poulé. On va l'emporter un autre, là. On peut emporter celui-là. Voilà, comme ça on est plus safe, là. On est bien, on est bien. Hop là. Allez Luigi. Vas-y. Appuie. Appuie sur le bouton. On va y aller. Et Mitsuki. Et bien seuls et ceux qui nous rejoignent. Et voilà. C'est facile. Tout simplement. Pourquoi avoir mis un interrupteur aussi loin? On aurait pu mettre un bouton, hein, vraiment, juste à côté. Hein. Ça aurait été bien plus simple, vraiment. Ah. Bravo. Attention, Hugon, je vais commencer à prendre ça pour une insulte. Je vais te ban. Passe là, parce que c'est pas là où on m'a demandé d'y aller. Il va y avoir des bonus de fou. Ah non. Bien. Bonjour. Ah bah je pense que j'ai bien fait de faire ça, en vrai. J'ai l'impression qu'il fallait faire. Il fallait. À moi et à l'autre streamer que j'ai vu, on réalise pas que Mario a pas besoin de partir de Luigi. Ah oui, ok. Donc en fait, c'était plus... Plutôt qu'un truc qui ressemblait à une insulte, c'était un compliment. Vas-y, ça me fait plaisir. Alors par contre, du coup, il faut que je rebrouche chemin. Ok. Il faut que j'aille là où on m'a demandé d'aller maintenant. Buli. Heureusement qu'on a ce pouvoir maintenant, vraiment. Ils auraient pu nous le donner dès le début. On aurait pu ne pas avoir à l'apprendre plus tard, mais... Ah. On les embrasse. Le pouvoir du spin dash. Le petit plagiat, mais bon, c'est pas grave. Ah, énorme, j'adore la lave. Dans 20 ou 30 ans, il y en aura toujours. Ok, maintenant il faut que j'attende le bon moment.
avec elle, comme j'en dis. Il y a des méchants. Venez, j'en ai rien à foutre des méchants, allez. Ça vous apprendra. Moi j'ai énormément envie de... Bon, rien finalement. Nique les méchants. Nique les méchants, ils sont pas très gentils. Bonjour. Vous vous demandez pourquoi il y a tous ces gravats? Non. On les a portés ici pour empêcher le magma de jaillir, c'était pas du tout le repos d'ailleurs. Comme le sous-sol 1 est difficile à refroidir, il fallait bien trouver une solution. Vous n'avez pas prévu de tout casser, hein? Non, t'inquiète. Ah bon genre. Sauf si vous avez mis une bombe à côté, et là, dans ce cas-là... Si vous avez mis une fleur qui produit des bombes juste à côté... Bah là, vous avez déconné, les gars. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait. Ouais, ok. Ah pardon. Putain le con, non. Mais c'est pas ce que je voulais faire, désolé. Oh, what the fuck. Désolé mec. C'est leur faute hein. Oh mais non, mais moi je pensais qu'on allait débloquer un pouvoir moi. Mais si ça se trouve j'ai rêvé de ce pouvoir de feu et de glace. J'en ai rêvé. Ça va toi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? On avait une bonne raison de recouvrir ça. Je pense que la glace sous sol 1 va fondre. Bah non, arrête. Je vois pas pourquoi. Je vois pas ce qui aurait fait ça, perso. Si jamais je retrouve le coupable, je te le dis. Hein. Bah énorme cette salle. On l'embrasse. Donc je suis allé à droite. Maintenant il faut aller à gauche, j'imagine. Mais comment on y va? Hein? Kama! Mais comment faire? Il faut peut-être retourner au sous-sol 1 du coup. On retourne au sous-sol 1. Putain, j'ai plus. Ah, j'ai plus de. De mouchoir, faudrait que j'aille en chercher. Mince, un accident, mais non. Bah, c'est pas notre faute. Hein. Ça nous a permis de récupérer de l'argent qu'on distribuera à tous les salariés qui ont durement travaillé, à savoir nous deux. Mario et Luigi, tout simplement. J'ai un Volza. À la foutre. Rien à foutre du Volda. Lui par contre, il casse la gueule. Je vais pas tous les esquiver non plus au boulot. Je peux pas. En plus j'ai besoin de mes prises de combat, faut qu'elles rechargent. D'ailleurs vu que j'ai besoin de mes prises de combat, il faut que j'aille lentement. Et bim. Mais je fais des dégâts de bâtard. Pourquoi Mario fait tant de dégâts je lui ai mis des bottes d'office de flûte ou comment ça se passe? Ok, l'attaque de fou. L'attaque des titans. Hein? Allez, dans ta gueule. Putain, 101! Mais pourquoi ça fait si mal? Mario, quel est ton secret? Allez, ça dégage. Mario est maître des sous et Luigi du marteau, c'est ça, hein? C'est quoi l'effet de tes bottes? L'effet de mes bottes, c'est d'être extraordinaire. Votre bravade augmente les dégâts infligés de 30% lorsque vous attaquez un ennemi indemne. Ah, c'est bon ça. Zabonzin, il devait être indemne, lui. Ce bâtard, il a failli m'avoir. Ce serait Mario, je mange des champignons alors que je n'aime pas ça. Importance. Oh, super, c'était juste à côté. Bon. Ok. Et il en manque une, non? On peut avoir une info? Bon bah pas d'info alors. Pas d'info, tout simplement on va se faire foutre. C'était prévu, c'était comme ça. Tu mets les stats des frères au même niveau? Pas forcément. Genre pour exemple la moustache de Luigi. Exemple. Et là ça c'est Mario 25 de moustache. Luigi 123 de moustache. Petite différence. Non, en vrai, en termes de...
Excusez-moi, c'est très, très important que je fasse ça. Comment qu'on fait pour aller de l'autre côté, là? Vraiment un grand gourmand. Un gros gourmand, là. Qu'est-ce qu'on va, là? Booty, 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 booty. Il manque une porte ici que j'ai pas vue? Bah non. Je vais pas y retourner, hein. Qu'est-ce que j'ai manqué? Quoi t'avais manqué d'un? Peut-être que en retournant au rez-de-chaussée. Grosse surprise. Grosse surprise au rez-de-chaussée. Attention. J'ai oublié d'acheter un truc tout à l'heure. J'étais au marché, j'ai oublié d'acheter des trucs. Hashtag gros con. Ah, c'est pas ici en tout cas. Aïe aïe aïe. Bon bah, on va retourner au soldo et prier pour trouver une solution. Qu'est-ce que j'ai manqué? Oh, t'as failli manquer d'un. Bully, 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 bully. Qu'est-ce que j'ai manqué là? Bon, je vais là-bas. Je peux avoir un indice. Il faut que... Attendez. Oh yeah. Il faut que je mette ça là. Ça ne change rien. Ok. Qu'est-ce qu'on a débloqué là-bas? Luigi, un coup de génie. Oh, pitié. Pitié, Luigi. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, mais attendez, je crois que... Et je crois que c'est simple. C'est en fait, quand je suis allé là... Je suis d'abord allé à droite, mais en fait, je pouvais aussi aller à gauche. Je crois que c'est là, ici. Je pouvais aller à gauche, sinon. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Tout va bien. On n'est pas perdu. Ok, merci. Oh, plus long la prochaine fois, la lave aussi. Attends, oh. Pourquoi c'est aussi lent? Il n'y a aucun challenge, c'est juste chiant. On doit juste attendre une heure. Alors, c'est... Mais... Ah, merci. Bully, 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 bully. Attention, c'est l'ordre. Hop là! J'ai toujours voulu le refaire. Boing! Alors, qu'est-ce que vous allez faire de beau tous les deux, là? Qu'est-ce que vous allez me faire? Ah mais non, vous allez pas faire de combo, vous. Vous allez pas comboter, vous. Ah vas-y, bah t'as 15 points aussi, mec. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Mario! Et bim! Genre comment il court giga vite à la fin. Bon, ta gueule. Des fois je rate... Maintenant j'ai décidé que je ratais volontairement. Parce que ça fait gagner du temps. J'aime bien. Voilà. À quoi bon avoir du style si personne ne le voit? Ils sont morts. Je vais continuer toute la game comme ça, je pense. Ok. De pire en pire.
Je ne dois pas le faire en avance. Je ne dois pas le faire en avance. Voilà. La papa, la papa, papa. J'ai l'impression que j'ai manqué un potentiel truc, non? Ah, c'est énorme, je peux pas voir. Non, y'a rien. Ce qui me trigger, c'est ça, hein. Ces trucs-là, ça me trigger, mais bon. On va dire que c'est pas important. Ah. C'est si simple. Du coup, le boss maintenant, là? Déjà? Souviens, Mario Luigi, je savais que vous étiez capable d'accomplir de grandes choses. Continuons comme ça. Alors, pour des raisons évidentes de survie, je ne vais pas me soigner parce qu'il y a un putain de bloc juste à côté. Voilà. Je vais arrêter de faire ça. Bravo! Bah. Comment on va là-bas? Y'a un tuyau? Un putain de tuyau. Trop tôt pour la coupure du tuyau. Ah bah là, ouais. Là, j'ai. Là, je pense. Je suis à combien de dégâts au total là? Je suis à combien de dégâts au tot? 295. Ouah! C'est encore jouable pour que je sois pas à plus de 500. Hein. C'est encore jouable, mais c'est chaud. La vache, c'est chaud. Je vais pas mentir, j'ai pas mieux quoi. Mon ceinture routine, au final, je m'en sers pas. Parce que je fais plein de trucs différents. Je vais augmenter les stats de Mario un peu vite fait. J'ai 6 médaillons, alors enfin, peut-être que j'en vende un moment. Une chaussette trouvée trop lourde, il y a seulement à moitié utile. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est 15% des dégâts infligés par votre première attaque. Restaure 50% de FF si je fais super ou moins. 30% des dégâts infligés par votre première attaque. 50% les effets des objets de guérison utilisés. C'est pas grand chose, hein? C'est pas grand chose de fou! Les médaillons d'or, c'est la honte de mettre ça, mais ok. J'ai vraiment pas beaucoup mieux, quoi. À mid, je mets un médaillon. Je m'apporte toutes les chances, hein. Sans merde, hein. Luigi, il a quoi déjà? Ah, parce que l'argent, c'est bien ça. Tout est bien. Luigi, tout est bien. C'est encore jamais, mais ça va être hard. Ah, bah non, mais oui, mais c'est tout le principe aussi, hein. Tout le principe. En plus, mais aucune de mes prises ne s'est rechargée, c'est juste ouf. Objet fortifiant, tiens. Hé, est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend pour tester ça, nous? Se mettre un peu ça dans le coin de la gueule. Allez. Faut y aller au bout d'un moment. Le médaillon d'or agit comme un emblème de taunt. Tu peux t'en servir en soi. Et c'est-à-dire... Ah, genre, attends, ça vise un seul mec en particulier? Ça augmente les chances d'être... Ça augmente les chances d'être visé, ça je vois pas, hein. Mais on les voit parler. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est... Bonne face à sa bande! Je me demande de quoi ils parlent, et si on nous approchait discrètement? Bah, c'est déjà plus ou moins le cas, hein. On est déjà pas loin. J'adore le fait qu'ils aient des petites... Volte-face, un mec super charismatique et méchant. Petit émoticône sourire. Je vais essayer d'être... Je vais essayer de pas me faire remarquer, les gars. Je vois que vous n'arrêtez jamais de vous planter. Tu es particulièrement décevant, Cuisse. Ton efficacité opérationnelle est extrêmement faible. Je l'ai peut-être désolé, mais bon, mon nom c'est 10. En ce qui concerne mon efficacité, je travaille dur, vous savez. En plus, sur ma face, vous en faire pour des pécadilles, on vous pensera en difficulté. Cela fait partie de mon plan. J'atteindrai mon but en 29 jours, 13 heures et 32 minutes. La progression est à 88,3. Et ça manque pas de précision. Quant à toi, Vice. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai compris, je vais redoubler d'efforts. Et moi, c'est 10, pas 10. Flûte.
Mais qu'est-ce qu'il y a? La progression est maintenant à 88,297%. Je constate une baisse de 0,003 pendant le temps qu'a duré notre conversation. Ça intéresse personne, tous ces détails. En fait, Sir Volfas, c'est à cause de Mario et Luigi, ils arrêtent pas de me gêner. Explique-toi. Les moustachus, là. Les rouges et verts. Je vois. Les moustachus, je me souviens des moustachus. Ouais, il est obsédé par les millimièmes de seconde, mais il peut pas retenir un nom. Comment il parle à son supérieur, le gars? Le plan se déroule selon mes prévisions. Le monde sera recouvert de fléaux. Bonjour, c'est nous. Pas si on peut l'empêcher. Pléiade détecteur. Oui, si, nous c'est... Nous c'est la brigade disjoncteur. Je vous laisse vous charger de ça. Ah bah bisous. C'est mon tour. Mais à quoi tu joues, crâneur? T'es sûr de ton coup? Ouais, sur ressortant, j'ai des choses à prouver. Je vais montrer à tous que je suis le plus survolté de la brigade disjoncteur. Le plus survolté, hein? D'accord, d'accord, vas-y, fais comme tu veux. On se battait contre lui? Dis, Volfas, qu'est-ce qu'il compte faire avec le fléum? Vous faites bien de demander. On va pas se contenter de faire en sorte que le cholestère reste à jamais éparpillé. Il va carrément tout annuler. Stylé, hein? Quand il aura terminé, tous les habitants de Colexia se seront évaporés. Bah, c'est pas cool, hein? Et qu'est-ce que ça rapportera à Volfas? Mais t'as annulé? Évaporé, mais pourquoi? J'ai pas tous les détails, hein. Je sais juste qu'ils auront tous disparu. Et pour ta gouverne, c'est toi qui seras la première à disparaître. Bonjour. En attendant, vous allez découvrir ce qu'est la puissance. Ce machin s'est gavé de Farfurax. À l'attaque des Trifards! Oh my god! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des Trifards! Oh la vache, la gueule! Mais c'est quoi cette attaque? C'est quoi ce truc, gros? Ok. Ok, il a le mérite d'être. Il a le mérite d'être sympa, quoi! Boui. Alors, petit objet fortifiant là. C'est un petit objet fortifiant. Petit pacton, bien sûr. Je connais. Pourquoi c'est Luigi qui a ton grand brouillé? C'est un petit. Petite super cacahuète, comme ça va. Hop! Ça augmente la défense, bah voilà! Augmenter notre défense, c'est nickel. Moi j'aurais pas confiance de sauter sur ce truc là, mais bon, ok. J'ai compris. Hop là. J'ai compris. Oh oh. Voilà, il fait peur. Hein. Il était un peu terrifiant ce truc. Il est horrible. Très bien. Prise rechargée, bah félicitations à ces prises. On les embrasse bien sûr, on espère qu'elles vont bien. J'ai hâte de voir quel sera le Luigi génie de Luigi cette fois. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre de sympa, lui? Défense thermique, ça devrait pas être très intéressant. Être protégé de la terre et étourdi, tiens. Ça peut aider. Donc, attendez. Qui est des experts marteaux? Je crois que c'est Luigi. Hein. Ah, j'ai déjà plus mon... Ça fait quoi, hein? Une cacahuète. Ah, je peux même pas utiliser une cacahuète. Chier. Hop là. Hop là. Facile. C'est du harcèlement, là.
Attendez, vous n'allez pas vous battre comme ça! Ici, c'est nous qui décidons des règles. Alors regardez autour de vous. Cet endroit est divisé en trois scènes. Il y a la scène normale, puis il y a la scène de feu, et enfin la scène de glace. Et moi, je peux passer de l'une à l'autre avec cette télécommande. Je parie que vous vous demandez ce qui se passe quand on change de scène. Allez, regardez. Qu'est-ce que... What the hell? Il va s'enflammer? Ah, bah le blab, voilà, voilà ce que j'attendais. C'est un cadeau. Le trifle est plus puissant sur la scène de feu ou de glace. Flamboyant, hein? Ou glaçant? Ah, c'est une boutade. Maintenant à toi, Détrifard. Ok. Écrase-les avec tes poids fulgurants et pétrifiants. Ok, j'ai compris. Ouais. Quoi? Il se soigne en plus? Allô? Allez. C'est bon. Attaque incendiaire, les gars. Non, bah non, du coup. Plutôt faire attaque... Ah bah non, mais je l'ai pas. Attaque frigorifique, tour 1. Ok, dans un tour. On va se mettre une petite défense thermique en attendant. Du coup, je pense qu'il faut pas lui sauter dessus, mais c'est une idée. C'est une idée. Bam! Bah par contre, il fait pas très mal, hein. Il fait pas giga mal comme ça. On va tenter une attaque frigorifique. Petit boulasse. La petite boulasse. Ah, ça aide pas. Je me suis dit, ça va peut-être faire une boule de glace, mais pas du tout. Oh, par contre, j'ai baissé sa défense, ça c'est bien. Quoi? J'étais censé deviner, moi? Démerdez-vous pour deviner combien j'ai pris de dégâts. Hein. Il attaque beaucoup trop souvent. Voilà. Il y a 411, ah, ça va être dur de faire moins de 500 là. Ah ah! Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, bah ouais, on va faire le génie, hein. On saura ce qu'il fait. Quoi? Bah, Tether a volé la télécommande, quoi? Tu veux que je fasse? Amener Tether au bord de la scène, incliner vers la droite ou la gauche pour le faire tourner dans ce sens. Hein? Appuyez de façon répétée sur B pour le tirer en arrière. Essayez de tirer Terre vers le bord de la scène, puis appuyez de façon répétée sur B pour l'envoyer dans les airs. Ok. C'est super bizarre. Le pauvre. Bah, c'est un méchant, hein. Oh yeah. Alors, on va où? Bien joué, Luigi! Il a dit que ce truc, ça a changé de scène, pas vrai? Testons-le! J'ai un peu envie d'aller dans la scène de glace. J'ai un peu envie de voir ce que ça fait. Même si la scène normale, ça le rendrait plus vulnérable. Mais quand même. Oh là. Hop là. Je me dis qu'il va pas aimer passer de feu à glace. Ouais, voilà. Ok. Mam! Oula, oh, il est pas bien là. On va lui mettre la max. C'est le moment de lui mettre la max. Alors, c'est parti pour Maxi Frère. Frère Fonfaro. Et c'est tout, hein. Je pense que je peux pas faire mieux actuellement. Un autre sirop pour directement se soigner. On va faire un petit rapide bombe de feu.
Et... Bam. Baba bang. Voilà. Baba boy. Ah oui, quand même. Ça rigole pas cette histoire. Et c'est parti pour un casque Boeing également. Va bien Boeing. Casque Boeing. Hop là. Oh là. Oh le Season 87 qui fait plaisir. Il va venir récupérer sa... Ah non, rien, il fait rien, ok. Attendez, mais il est encore... Oh, je peux encore y aller? Oh bah alors là... Ah bah le Nirlof, hein. Ah bah le Nirlof. C'est très étonnant que ça dure plus d'un tour, d'habitude ça dure qu'un seul. Let's go! S'il passe de l'emballage glace, il se passe quoi? Bah je pense qu'il se transforme en glace, justement. Est-ce que je voulais voir la base? Mais je verrai peut-être pas. Ah bah voilà, vous allez voir, ça y est. Ok, il est stylé aussi. Sympa comme... Sympa comme façon de faire l'attaque, j'aime bien. C'est ni plus ni moins que l'attaque des caméléons, mais en version plus stylée et un peu plus effrayante. J'aime bien. Ok, prise de combe. On va pouvoir enlever Maxi Frère en attendant. On va se remettre... On va se mettre une petite attaque incendiaire. Et un petit agile, on sait jamais, voilà. Défense thermique, comme ça on est bien. Hop là. Je pense que là non plus on peut pas attaquer parce qu'il a un gros pic sur la tête. Hop là! Ah, on baisse la défense, ça c'est bien ça. Ça c'est moins bien ça. Ah! Putain, la vache, je peux avoir des réflexes de bâtard! What the fuck? Il a baissé. Oh oh. C'est Luigi qui a besoin de ce champignon, mais c'est pas grave. He's back on the play too. On a 2 secondes. Hein. 2 secondes, j'ai besoin d'un tiers montant là. J'ai besoin d'un tiers montant, on va se faire un petit objet fortifiant. Objet fortifiant pour Luigi's. Luigi's in my pants. Qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre un petit super bombe. Super bon pour Luigi. Ah, ça augmente sa moustache. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous mettre sur quel terrain? Parce que s'il nous met sur le terrain de feu, au final, c'est bien. Ah non, il le fait juste dégeler. Ah, ok. Il le fait juste passer de l'un à l'autre sans qu'il... sans le choc thermique. Ok. Il s'est barré? Ok, tant pis, c'était. Je saurais, c'est une action unique. Quand il est là, j'ai pas le droit de l'ignorer, ok. C'est juste que si je faisais ça après, j'aurais perdu une attaque. Mais bon, là, du coup, j'ai quand même perdu une attaque au final. J'en ai rien à foutre. Tiens, Yoshi, il va se cramer le cul, c'est la prendre, tiens. Dans la gueule de Yoshi, tiens. Bim! Ça fait pas très mal. Hein. Allez, on te fait éclore, on te fait cramer le cul surtout. Bravo Yoshi, désolé pour ton cul. Ouais, non, bah c'est foutu. Celui-là, j'ai vraiment pas eu le temps de l'analyser, désolé. Pourquoi? Ah, c'est dommage, j'étais pas... Oh, j'allais dire, j'étais pas trop loin des 500, mais là, je commence à m'en éloigner de plus en plus. Bah, on va refaire...
Un petit ultra cacao. Allez, des bisous. Désolé à ceux qui ont croisé en moi, il ne le fallait pas. Mais je me serais battu, j'aurais fait ce que je pouvais. Bon bah gros, ah non, il faut que je garde, des PF. Pour contre il va être faible. On lui fait tellement pas de dégâts comme ça. Bon, le fait de lui baisser sa défense juste avant, c'est pas mal par contre. Ça, c'est un gros classique ce genre d'attaque. Facile à esquiver. Encore. Il lance pas de champignons là. Oh, merde. Merde. Back. Bon bah là. C'est parti pour la lutte gréco-romaine. Allez, allez. Rien à foutre du pognon. Oui. Voilà, scène de glace hein. On est pas con. Bam. Quand il a pu en mode giga beau gosse. Dommage si Jenny le Luigi passait, je pense que c'était win pour les 500 et moins. Ah peut-être ouais. Peut-être. Mais j'étais voilà, j'ai été prudent. J'ai préféré ne pas mourir. Bon allez. Adhère. On va aller Gidon s'en fout maintenant. On s'en bat les couilles, on s'en bat bien bien les couilles. Vas-y Yoshi. Hop là. Oh la vache, attends, je crois que ça va faire très très mal en fait cette histoire. Je m'attendais à ce que ça fasse moins mal que ça Yoshi. Est-ce que ça le tue? Ah non, voilà ça va, je voulais le terminer avec un casque Boeing quand même. Je voulais quand même terminer avec un Boeing. Hop les. Hop les. Oh là là, 672. Oh là là. On l'embrasse. Oh, sympa ce boss. Sympa. Il manquait peut-être une petite surprise supplémentaire, mais sinon, tout ça sympa. Je pense que l'ODX ils veulent bien nous casser les couilles. Botte des trifards. Ouais, niveau 27. C'était le niveau du boss, hein, niveau 27. Donc je suis pas over level en vrai. Je ne suis pas over level. Je suis juste trop fort, hein, tout simplement. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir, comme info. C'est un moment trop fort. C'est con, j'ai jamais eu de critique et coup de chance cumulé. C'est normal, c'est pas possible. On peut pas faire critique et coup de chance en même temps, je crois. À partir du moment où critique, je crois qu'on peut plus faire de coup de chance. Il me semble, hein. Le critique override de tout. Boui. Voilà, merci. On prend, on prend, on prend. Ah, 60. Pourquoi on prend pas tous ceux qui sont autour aussi? C'était censé être mon tour de gagner. Il faut qu'on prévoie la revanche. Pourquoi on s'est battu contre seulement l'autre nulos là? Pas les deux, pas les deux autres. Eh hey, toi aussi tu fais la malle. On t'a aplati, donne-nous des détails. Est-ce qu'il nous a laissé? Est-ce que c'est une quatrième prise de combat? Oh là 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 là, oh là là. Oh là ça devient dangereux là. C'est une borne. Oh là ça devient dangereux cette histoire. Oh là ça devient trop fort hein. Là, ça devient trop fort. Aïe, 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 aïe. La fin de collection. Tout le monde évaporé. Qu'est-ce qu'il peut bien préparer? Faut pas y penser, mais... J'arrive
j'arrive pas à y penser. Exactement. Et bah, voilà, ils ont le plus de rallumer le grand phare. On peut créer de nouvelles prises. Merci beaucoup, mec. Il me saurait s'il va finir par faire cramer l'appart et s'agrandir. J'ai entendu, peut-être que l'ascenseur peut monter au dernier étage maintenant. Mario Luigi, allons-y. Fais ce que je veux. Personne me donne d'ordre en fait. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Même pas mal, ça vous reste au moins 2 PV. En vrai, c'est bien ça, pour survivre. Cette prise de combat sélectionne automatiquement le meilleur truc. Recharge rapide, c'était bien aussi. Ouais, recharge rapide, c'est banger, hein. Pour certaines prises. Ouais, pour certaines prises, c'est vraiment bangerissime ce truc. Hop là! Qu'est-ce qu'on débloque? Double ration de frites, utilise 2 objets du type sélectionné pour en retirer les bénéfices. Ok. Le nombre de recharges diminue à la fin de chaque tour. Lorsqu'il atteint 0, les PV et les PF sont restaurés de 100%. Hein? Ah ok, j'ai compris. Oh, j'ai compris. Oh, sympa. Sympa ce truc. J'ai compris, grosso modo, ça commence à 15 et quand on arrive à 0, ça nous soigne automatiquement à 100%. Du coup, si on l'enlève, on peut maîtriser quand est-ce que ça marche? Le nombre de recharges diminue à la fin de chaque tour. Lorsqu'il atteint 0, les autres prises équipées sont rechargées de 50%. Lorsque les recharges d'une autre prise équipée devaient baisser, celle de cette prise baisse à la place. Oh, c'est sympa. C'est sympa. Ok. Ouais, il y a plein de trucs intéressants. Vraiment une bonne mécanique, je trouve, les prises de combat. Non, déplaise à certains qui diront que non, mais moi, je dis que oui. L'auto-excellent qui va être un peu plus bas. Clairement, celui que je vais jamais mettre. Hein. C'est pas drôle d'avoir un auto-excellent. LMLMML. Elle aimait la mamelle, voilà ce qu'il a dit. Apparemment, elle aimait les mamelles. Je ne sais pas qui aimait les mamelles, mais voilà. Habit de célébrité. Pas d'effet spécial, juste 29 de défense supplémentaire, c'est pas mal. Ça fait effectivement plaisir. Dis à quoi? Pas d'effet spécial. Ah, mais ça baisse sa moustache, c'est long. On baissera sa moustache qu'en cas de vraiment. Vraiment besoin, quoi. C'est mieux que les cartes de Paper Jam que je trouvais déjà vachement cool. C'est vrai que les cartes de Paper Jam en soi c'était sympa. Le seul problème des cartes c'est que vraiment tu pouvais pas choisir vraiment ce que t'obtenais. Tu les obtenais au hasard les bonnes cartes. Parce que sinon les autres elles étaient moyennes. Les vraiment bonnes cartes on les avait au hasard. Là on choisit vraiment et on débloque de manière un peu genre intelligente et logique les cartes quoi. On va avoir les cartes. Du coup les prises. Ah j'aime bien comment ça fonctionne, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment un aspect genre c'est un peu pété. Mais en même temps c'est pas trop pété, on a pu voir que même les trucs un peu pétés, bah... On a que 4 ou 5 utilisations du coup, bon on peut pas en abuser de fou quoi. Ouais j'aime bien comment ça fait. Ah Yves Riboli, qu'est-ce que j'ai manqué? Le boss, j'avoue. J'avoue, manquer le boss. Il n'a pas trop rangé, j'ai un game over dessus moi, j'ai pas eu de game over dessus, désolé. Voilà, tout simplement. Non, j'ai pas rangé du tout, j'ai même plutôt bien kiffé le boss. Haricot cœur. Ouais, il faudrait peut-être que... Ouais, 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 les haricots, bah bonne idée, tiens. Ah, j'en ai 7. Ouais, un peu pour Mario. Haricot attaque, bien sûr pour Luigi. Avec OBS de 3. Moussage bien sûr. Allez, 1 pour Mario parce que j'ai pitié. Et celui-là pour Luigi. Je mets tout pour Luigi en moustache. Faut faire Stone Effort pour le moment. Stone Effort était le plus complexe et le plus sympa, ouais. Le plus sympa... Gobe Effort était bien aussi, hein. Franchement, ils ont tous été bien pour l'instant. Brille éclatante lumière, illuminons la voix du renouveau de Galaxia. Continuons encore une fois de passer un message aux jeunes, à savoir, mettez de l'eau sur vos prises électriques les enfants, ça va faire pousser un phare, vous vous inquiétez pas. Faut perso que ce boss trop faire car sa mécanique le baisse trop. Bah le boss non, sa mécanique le... En fait c'est vrai que ça devrait durer un tour, pas deux. C'est vrai que si jamais il avait été fait pendant un tour au lieu de deux,
ce qui était le cas de tous les autres boss, ça aurait certainement été mieux. Enfin, je sais pas. Si ça se trouve, j'ai manqué une... Si ça se trouve, je me suis pas pris une phase qui était vraiment très forte. On verra bien. Vous savez, je me suis rendu compte en refaisant ma partie sur le côté qu'il y avait des phases... Il y avait des phases où j'ai eu énormément de chance sur ce let's play, par exemple. Genre quand on s'est battu contre... Jonk. À un moment, il m'a fait une attaque miroir, là, l'attaque miroir. Il me l'a fait que dans le même sens, du coup, c'était super facile à prévoir pour moi. Et j'ai dit, d'ailleurs, il me semble pendant le combat... Eh, il aurait dû varier un petit peu les trucs, non? Bah en fait, il peut varier les trucs, il peut faire Mario, Luigi, Mario, Luigi, et du coup, je suis un peu moins lisible. Enfin, j'ai eu plein de trucs comme ça où c'était beaucoup plus facile quand je faisais le let's play que lorsque je le faisais tout seul dans mon coin. Mais c'est pas grave. Faut peut-être lier à ta vitesse. Ah, peut-être. Ah, peut-être que j'étais effectivement rapide parce que j'avais un habit qui augmentait la vitesse de Mario. Peut-être pour ça, hein, ça se trouve, ouais. Oh, c'est beau. En route vers le One Piece. Allez, encore une nouvelle mer. Hein. En espérant ne pas devoir réorganiser un mariage, par pitié. Bravo, allez, tous à la flotte maintenant. Allez, mon père, il y a dans l'eau. Ok, on va compter les îles. Est-ce que c'est toutes les îles que j'ai raccordées? C'est vraiment, ça va faire beaucoup d'îles, hein. Je veux dire que là, c'est un Lakitu qui filme toute la salle. Hein. Ok. Ça commence à faire pas mal d'îles. Idée, commencer à les raccorder les unes contre les autres, peut-être? Très plus simple. Au Paper Jam et Brothership, la vitesse détermine non seulement leur détour, mais aussi leur fréquence. Il est possible d'attaquer plusieurs fois par tour avec assez de vitesse. Ah ouais, ouais. Il faut pas que j'ai trop de vitesse, alors, parce que putain... Déjà qu'avec une attaque par tour, je fais mal. L'objet, c'est une mer empoisonnée. Mer rocheuse. Ça commence à sentir les embrouilles. Les puissants adversaires nous attendent. Avec vous, nous avons de meilleures chances de réussir. Comme les habitants de la Solinsule et de Friskin. Je suis sûr que les habitants de Connexia retrouveront bientôt le sourire. Yes. Pour réussir, on doit empêcher Volphas et ses sous-fils d'arriver à leur fin. Je suis certain que Watsin fait tout ce qui est en son pouvoir où elle soit. C'est mon devoir de volticultrice d'en faire autant. Bravo. Oh non, pas lui. Makiro Ichi. Les frères Fiasco. Mais ça y est, il est sous l'emprise du fléau, lui. Il semble que je ne puisse ignorer leur existence si je veux procéder comme prévu. Une volticultrice. Une gêneuse par la même occasion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces embrouilles? Il n'y a qu'une chose à faire. Détruire tout ce qui se dresse sur mon chemin. Ni plus ni moins. C'est le château de Bozo? Bozo le clown? La mer rocheuse, je me demande à quoi elle ressemble. À une mer avec des rochers, je pense, mais après voilà, faut voir. De l'eau avec des rochers dedans. Mais qu'est-ce que... Ça y est, Bobo, il arrive. Ah, he's here. Ils se battent contre qui, hein? T'es en train de se battre, mais contre qui? Allez, contre les méchants. Bozor est un allié. Ah, Bozor, il a vu leur île. Il a fait, voilà, ouais, ça ressemble trop à mon île de Mario 3D Land, là. Je suis pas d'accord. Vous me les balayez, ceux-là. Putain, let's go. Putain, la scène de bataille épique, what the fuck? C'est le bataille les plus épiques qu'on ait vu dans un Mario. Ah, he's back, the king. The king is back. Oh, il est beau. Ouais, ouais. Ah oui, mais c'est le château de Volteface, en fait. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok. Non, Bozo, on meurt pas. Mais non, Mario et Luigi, ce sont eux? Mes amis? Non, mes ennemis, pardon. Ah, ça y est, là. Les gars, on arrête la guerre. Et maintenant, voilà. On oublie ces mecs-là qui vont certainement continuer de tirer dessus. Et on va se battre contre Mario. Non! Non! Mes îles!
Oh les bâtards. Non, mon arbre, il va... Il va arrêter de grandir. Il va rétrécir, mon arbre. Mon arbre va rétrécir. Arrêtez. Adieu Mario et Luigi, mort noyé. Aïe aïe aïe. Dans une eau pourpre en plus, hein, donc certainement empoisonnée, certainement malsaine. Je pense qu'on les a perdus pour toujours. C'est la fin du jeu les gars. Bad ending, désolé. Je vais faire des mauvais choix dans le jeu, je pense. Je pense que c'est le moment où j'ai pas choisi le gâteau au chocolat. À cause de ça. Alors petite anecdote, quand on choisit Peach pour se faire enlever, c'est nul. Voilà, Peach, elle ne vit rien. On ne contrôle pas Peach. C'est juste nous lâcher. Voilà, sachez-le. Petite info que je vous donne. C'est beaucoup mieux de faire enlever Luigi. Luigi, pousse pas la bouche, me dites pas qu'il est mort. Salut, mon... Non, il dort, hein. Voilà, comme d'habitude. Et on fait comme un gloré. Bah, tout va bien, hein. Et debout la marmotte à salopette. La marmotte à salopette. Encore au pays, c'est combien de temps? Alors c'était lui Bowser, le fameux Koopa qui pue. En chair et en carapace. Visiblement les sbires de Bowser en avaient après seule volte-face. J'espère que tout le monde sur le navire va bien. Ouais, vous avez raison, et pas la peine de se distruire le cerveau-là avec ça pour le moment. On a un phare à trouver, nous. Comme ça, on peut rentrer à la donzon. Je peux avoir un bloc de sauvegarde, je... C'est un peu brosson ici, non? Un petit bloc de sauvegarde, ça me ferait plaisir. Trop bien, voilà. Ah ouais, 30. Bah, je suis content d'être venu ici, moi. C'est top. Bonne ambi ici. Ah bah. Qu'est-ce qu'il fout là lui? On est où? On saura la prochaine fois YouTube. On saura la prochaine fois où on est où, mais là pour l'instant on va s'arrêter. On va s'arrêter là-dessus YouTube. A très bientôt, on va découvrir Bowser enfin. Ça y est! Il est là, on va peut-être avoir du lore enfin avec YouTube. Avec Bowser, pardon. J'ai hâte. J'ai hâte d'en voir plus. A très bientôt YouTube. Merci encore d'être là. Merci encore de suivre mes aventures, des gros bisous à toi qui suis les aventures chaque jour. Peut-être pas chaque jour, mais en tout cas régulièrement. Merci. Bientôt. À bientôt, salut mon pote. Salut mon pote.